Salut les vapeurs, j'espère que vous allez bien pour cette première revue de 2018. Bonne année pour commencer à tous. Et du coup, on va commencer avec une revue complète. On fait la totale, Bucks, RDA, liquide, tout ça avec des coils MPC pour goûter le tout. Donc on va commencer par le RDA de 3C Vap, le Conspiracy, que j'ai commandé au Dripper Club au prix de 67,90. La Radbox, le prix, je ne me rappelle plus, je crois que c'était aux alentours de 150€, mais ça fait une bonne année que je l'ai, même plus d'un an maintenant, et elle est toujours dans son état d'origine. Non, elle n'est pas abîmée, hein. C'est son look qui est comme ça. Et le petit biscuit qui m'a été offert, il y en a deux liquides, il a le petit biscuit comme ça et le petit biscuit rhubarbe. J'ai eu l'occasion de goûter l'autre, on en parlera un peu plus tard. De toute façon, je vous mettrai dans le descriptif les liens pour tout ce qu'il y a de présenté aujourd'hui. Donc on va commencer par le Conspiracy, on va se le monter parce qu'il est entièrement en pièces détachées quand il arrive. Alors déjà, on va faire le tour du packaging, je vais mettre ça de côté. Donc il arrive dans une petite boîte en plastique avec le logo Conspiracy 3C Vap, la couleur ici en SS, et vous avez un petit descriptif qui vous dit comment il a été conçu. Je vais vous le lire. Designé par Squirming Coil et 3C Vap et inspiré par les membres de l'équipe Coil Conspiracy. Le Conspiracy RDA est un plaquage silver low profile de 24 mm. Deux postes designés, super facile à monter, et des postes spacieux de 3 x 1,5 mm. Des airflows ajustables pour un single ou dual coil, avec un plateau en argent rare, plaqué d'un argent rare. Donc voilà pour le packaging. Hop, on va se l'ouvrir. À l'intérieur, vous avez tout en pièces détachées, donc on va tout sortir. Donc on a des joints, le plateau en argent, enfin plaqué argent, le baril, drip tip, et vous avez aussi une vue éclatée de comment monter le RDA avec tous les isolants, le pin, les joints, enfin tout le positionnement. Bon, il n'y a rien de compliqué, mais bon, il y a le petit plan à l'intérieur. La seule chose qui manque sur le plan, ça sera le joint au niveau du drip tip, mais bon, rien de sorcier. Donc on va commencer par le plateau. Hop, plateau avec le post positif. Donc il y a le pôle le négatif qui est dans la masse, vraiment le plus bel effet du coup avec ce plaquage argent. Mais encore un peu de liquide, hein, parce que je l'ai redémonté pour vous le présenter. Des gravures by Squirming Coil N3C Vap Conspiracy. Donc c'est un builder, il me semble, qui a conçu ce RDA. Donc il est vraiment adapté pour tout ce qui est coil exotique. Vous allez voir, c'est du plus que simple pour pouvoir faire le montage dessus. Ça va tout seul. Il a été vraiment pensé pour les coils complexes comme les coils simples. Vous avez le baril avec le logo Conspiracy. Les airflows, ça ressemble à des airflows de Goon, mais ils sont un peu plus petits. Je vous donnerai toutes les spécifications après qu'on aura fini de le monter. Ici, on va avoir le top cap.
belle couleur, belle qualité de d'usinage, des beaux matériaux, un petit dôme à l'intérieur bien taillé. On va avoir les airflow pour le dual de chaque côté et le single ici. Donc voilà le drip tip en ultem qui lui par contre j'ai pas trop accroché quoi. Le diamètre intérieur du drip tip est vraiment ridicule. Je sais pas pourquoi ils ont été mettre une aussi grosse largeur quoi. J'ai pas du tout croché. Je sais pas combien on est en diamètre interne, mais 7 mm en diamètre intérieur. Donc c'est vraiment petit quoi. J'ai pas du tout accroché sur ce drip tip là. Avec une petite gravure 3C vape sur le côté. Je sais pas si on va bien la voir, il y a trop de lumière. Voilà. Ouais, il veut pas faire le focus. Enfin voilà, il y a une petite gravure 3C vape sur le côté du drip tip. Ensuite, en spare, ils ont été super généreux. Donc il y a 8 vis Allen et 4 vis à tête plate. Donc en gros, quand vous le montrez, vous aurez le choix d'utiliser soit des vis à tête plate. Donc là, on a une vis à tête plate. C'est trop petit pour qu'on fasse le zoom. Et sinon, vous avez des vis Allen. Essayez de vous faire voir ça. Mais c'est pas gagné. C'est vraiment petit. Voilà, donc ça c'est une empreinte tête plate. Vous en aurez 4 et 8 en vis Allen. Un pin 510 standard et aussi un pin bottom feeder, ce qui se fait de plus en plus et ce qui est fortement appréciable aujourd'hui de pouvoir avoir directement un pin bottom feeder, parce que c'est de plus en plus répandu. Donc soit le pin BF plaqueur ou un pin standard avec une empreinte cruciforme plaqueur également. Donc là aujourd'hui, on va utiliser le pin standard. Je vais garder 4 vis Allen. Et on va monter tout ça. C'est vraiment. Et les joints, c'est pareil, vous avez deux jeux de joints complets. Donc une fois que vous avez monté votre RDA, il vous restera encore un jeu complet de joints. Donc au cas où s'il y en a qui lâchent ou vous avez de quoi les changer. Et ce qui est bien, le fait qu'il arrive complètement démonté, ça permet de connaître son RDA sur le bout des doigts, quoi. Et puis voilà, c'est pas ce qui prend le plus de temps à monter. Donc on va prendre 3 grands, un petit, et du coup, il en restera 3 et 1 dans le sachet. Et c'est parti pour le montage du RDA. Donc bah rien de sorcier, hein. On vient mettre l'isolant sur le plot positif, ça se clipse tout seul. Hop, on vient l'insérer dans le plateau. Et ensuite, on prend l'isolant du 510 qu'on vient insérer également. Voilà, on met bien buté et là on vient visser notre 510 tout bêtement avec un tournevis plat, ça va être mieux. Hop, et voilà, notre plateau est monté. On peut lui mettre les joints tout de suite s'il veut bien venir. Hop, et de 1.
et le 2, voilà. Ensuite, il nous restera les vis des postes. J'ai pris les vis Allen parce que c'est quand même plus simple à venir insérer. Hop, je le mets directement sur la clé et l'insérer dans le trou. Parce que c'est vraiment des petites vis avec les vis à tête plate. Faut prendre la petite pince pour les mettre en place. J'ai des gros doigts, c'est pas facile. Hop. Il y a la vis, la clé Allen qui est fournie aussi hein, avec. Et la clé Allen qui va pour les postes. Et de la même taille pour le pin BF. Donc ensuite il nous reste le joint à mettre sur le top cap. Pareil, hein, ça se fait tout seul, voilà. Rien de sorcier. Et le joint à l'intérieur pour le drip tip, le seul qui n'apparaît pas sur le plan. Donc ensuite, bah, on vient insérer le top cap. Voilà. On vient insérer ça. Et on met notre drip tip et voilà, notre RDA est monté. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment pas sorcier quoi, ça se fait en 5 minutes top chrono, le RDA est monté et comme ça, bah, au moins on a l'honneur de l'avoir monté soi-même. Et ça fait un beau RDA. Ça ressemble quand même fortement à un Goon, légèrement plus petit de les Airflow. Est-ce que j'ai un top cap Goon là? Ouais, j'ai un Goon rouge. Les Airflow sont un peu plus petits que sur le Goon. Et en hauteur, c'est visiblement. Ouais, il est légèrement plus petit aussi en hauteur. Ça ressemble à un Goon et de plateau, on pourrait penser à un mix du plateau entre un Dead Rabbit et un cosmonaute. Sauf que là, par rapport au cosmonaute, les plots sont dans le bon sens pour venir insérer du coil plat. Sur le cosmonaute, les vis venaient sur les côtés, comme ça. Donc du coup, quand vous mettez de l'alien ou du fused, ça a tendance à tordre les pattes. Que là, du coup, on a juste à venir positionner notre coil entre les pattes, serrer, et ça tient tout seul. Ça, c'est vraiment top. On a une petite cuve. La cuve, elle fait 3 mm, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est ça, on a une cuve de 3 mm de profondeur sur 19 mm de diamètre intérieur. En hauteur, on est sur une hauteur de 22 mm et demi sans le pin 510 et sans le drip tip. Donc cette partie là 22 mm, 24 de diamètre, des airflow de 10 mm sur 2 mm de hauteur. Et les postes, on l'a vu tout à l'heure, ils font 3 mm sur 1,5 et vous avez 13 mm entre les postes, donc ce qui laisse la place pour placer de très beaux coils. Là en l'occurrence, là je vais lui mettre on va lui mettre une paire d'aliens sur 6 tours et vous allez voir, il peut rester on peut encore mettre 2 tours facilement quoi, sans que ça gêne. Bah, d'ailleurs, on va les monter tout de suite. Bon là ils sont déjà été utilisés donc je connais la hauteur des pattes, mais sinon quand vous mettez un coil neuf, coupez pas trop quoi, faut mieux y aller au fur et à mesure, vous vérifiez la hauteur de votre coil et une fois que vous êtes à la bonne hauteur, vous coupez le deuxième à la même taille, parce qu'une fois que c'est trop court, c'est trop court. Et comme je vous disais, voilà, il y a rien de plus simple là, vous voyez le coil, une fois qu'il est bien mis, on a juste à venir et hop, on le met en place et voilà, il n'y a plus qu'à serrer et ça se fait tout seul. C'est vraiment bien pensé cet ato pour le montage des coils, ça se fait tout seul quoi, il y a juste à les poser dedans, à venir serrer et ça se fait tout seul. Voilà, là je pose mes coils,
je viens les serrer et puis bon, on va les placer après tranquillement. On va les stabiliser, faire tout ce qu'il faut, cotonner, et puis on essaiera ce RDA sur la Radbox de Herom. Hop. Hop. Après, hop, je viens les placer juste au-dessus de la cuve, un petit peu en biais par rapport au poste. Voilà. Voilà ce que ça peut donner une fois monté. Donc ça sert à rien de le mettre à ras des plots comme ça. Vous avez une petite longueur de coton supplémentaire qui peut faire une petite réserve de liquide en plus. Mais déjà, on a une bonne cuve, une bonne contenance, vraiment un bon dripper. J'ai vraiment apprécié la vape dessus, ni trop à rien, ni trop serré, vraiment juste un juste milieu, un bon rendu de saveur. Un beau plateau plaqué argent, une bonne conductivité. Bah voilà, vu qu'ils étaient déjà installés, ils ont déjà été stabilisés et c'est magnifique, ils sont synchronisés parfaitement. Donc là je suis à 0,21 ohms, donc pour un PWM c'est nickel, même être un peu plus haut ça serait même encore mieux pour pouvoir utiliser toute la plage du potentiomètre. Hop, on va se prendre un petit bout de coton. Vous allez avoir pareil à cotonner, ça se fait tout seul, c'est l'avantage des RDA. C'est pas comme un tank, hein. Les tanks, il y en a certains qui sont assez faciles à cotonner, mais d'autres un peu plus galères. Mais là, hop. Une petite mèche par ici, une de l'autre côté. Ensuite, pour couper les mèches, je le rabats, je vois la hauteur de la cuve, une petite marque, et je coupe juste avant, comme ça, le bas du coton tombe pile poil dans le bas de la cuve. Ça sert à rien de remplir la cuve de coton, ça nous fait perdre l'autonomie de liquide. Et voilà, il y a juste à les rabattre et le tour est joué. Donc je l'ai pas du tout essayé en bottom feeder, mais je pense qu'il doit être aussi intéressant en BF qu'en normal, surtout qu'une fois que le top cap est en place, vu que les airflows sont assez hauts, les coils sont assez hauts, et bah, le top cap peut servir de cuve quoi. Donc on est loin d'avoir un overskonk, ou même du coup le fait de s'en servir en mode normal avant d'overdripper avec ce dripper là, c'est qu'on a juicé comme un cochon. Hop. De toute façon on replacera tout ça correctement quand on va le mettre sur la Radbox. Le seul truc, comme je vous ai dit, que j'ai pas trop apprécié, c'est le drip chip. Donc celui-là, je le saute et j'en mets un noir, comme ça ça matche mieux en plus avec la box. Donc on va mettre le conspiracy de côté et on va parler de la Radbox de chez Herom.
Donc là, c'est un Smart PWM à l'intérieur. Après, à savoir qu'il fait d'autres modèles en méca série. Il fait des 18650 ou également des 26650 et il a fait d'autres modèles. Et après, il peut aussi vous faire des modèles à la demande, sur commande, tout ce qui vous chante, des 8 accus, des lipos, enfin, on peut voir avec lui après, mais il est ouvert et il fait de belles créations, bien à lui, avec des peintures personnalisées. Il fait jamais deux fois les mêmes peintures. Et c'est des peintures de qualité carrosserie. Celle-là, ça fait plus d'un an que je l'ai et elle n'a pas bougé d'un poil, quoi. Le revêtement est vraiment nickel, le vernis n'a pas bougé, il n'y a pas un éclat de peinture, rien du tout. Et de toute façon, même s'il y aurait un éclat, ça se verrait pas avec le style qu'il donne à la box. Donc, on a un switch tactile entouré d'une douille, enfin d'une balle. C'est une balle, une cartouche qui coupe et qui met autour du switch, qui rend un effet plus que sympathique. On a un 510 Fat Daddy sur rosseur, potentiomètre hein, pour le PWM, et on va faire un tour à l'intérieur. Donc vous avez trois aimants seulement. Là en fait, il laisse la vis, parce que vous allez voir, en fait il y a la LED qui vient apparaître. On verra quand on mettra les accus. La LED a été cachée là, et sur certaines box, la LED est à l'intérieur, donc on la voit jamais. Et là, du coup, quand vous allez venir faire un fire ou faire les réglages du PWM, eh bien, vous aurez la LED visible, mais en toute discrétion. Donc, on a un berceau standard avec une petite languette pour pouvoir retirer les accus. Et après, c'est un style qui est tout à fait à lui. On a l'impression que c'est un peu rock'n'roll, c'est fait à l'arrache, mais pas du tout, quoi. Tout est calculé, tout est fait pour, quoi. Là, j'adore le petit serpentin là, en cuivre brut pour venir relier le positif du 510. Et du coup, quand on appuie dessus, voilà, le 510 sur ressort, on voit le serpentin qui bouge, quoi. Ah, pareil pour la connexion entre les accus en série, un fil de cuivre, et pareil pour les fils à l'intérieur. Là, vous avez le PWM et on a un MOSFET en plus pour protéger. Et il pense à tout. Il y a déjà, c'est déjà marqué à l'intérieur du berceau. Vous avez marqué positif. Positif, négatif, et pareil, négatif et positif. Mais il nous fait un petit rappel à l'intérieur de la porte. Vous avez un petit point rouge pour vous rappeler que c'est le positif. Et comme vous voyez, chaque box est numérotée. Air Home, box boîte mods, Radbox numéro 39 par Air Home. Enfin, ROM, c'est sa signature. Et du coup, pour le positif, il remet un petit point rouge à l'intérieur. Positif, positif. Vous ne pouvez pas vous planter dans le sens des accus. Donc après, bah, c'est un Smart PWM. On va mettre des accus et on va voir comment ça fonctionne. Donc bah, voilà un positif sur le petit point rouge. Hop, on met la languette. Et vous allez voir quand je mets la queue en plein. Voilà. Donc là, elle s'allume directement. Donc là, je suis en mode standard. Donc si je bouge le potentiomètre, je changerai mon intensité, ma tension, pardon. Et donc pour l'éteindre, je clique trois fois, j'éteins la box. Et si je clique trois fois, je rallume la box et on a accès à la LED. Et vous voyez, même avec seulement trois aimants, les aimants, ils sont assez forts. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ça tient largement, quoi. La porte,
elle ne tombera pas. Et donc bah le Smart PWM, on peut pas juste l'allumer ou l'éteindre, il a la particularité aussi de pouvoir se verrouiller. Donc là elle est allumée, je l'éteins, et là par exemple j'ai le potentiomètre à 50%, la box est éteinte, je reste appuyé à la clignoter 3 fois, je rallume la box, et là pour le coup mon potentiomètre est verrouillé à 50%. Je pourrais venir le descendre à 0, je serai toujours à 50%, ainsi je sentirai pas la décharge de mes accus au fur et à mesure que je vape. Donc jusqu'à temps que la box se coupe, est-ce qu'il y a un cut-off, en gros quand vos accus sont assez déchargés, elle va couper automatiquement pour protéger vos accus, pour pas les descendre en dessous de 3 volts 2 il me semble. Donc ça protégera vos accus pour une trop forte décharge. Mais vous aurez toujours la même vape à 50% tout au long jusqu'à temps que vos accus soient déchargés. Et pour déverrouiller ce mode là, donc on réteint la box, 3 clics, je reste appuyé. Ah. Ah voilà, ça tombe bien qu'elle fasse, et des fois elle veut pas, donc si ça veut pas, on met le potentiomètre à 100%. Ça c'est un Smart PWM V2 il me semble, voilà. Et là en mettant le potentiomètre à 100, à la clignoter une fois, je la rallume, et donc là du coup je suis en mode standard. Donc si j'ai envie, surtout quand vous mettez le potard à 100 là, ne pas oublier de le redescendre avant de mettre un atomiseur dessus, et donc là du coup je suis en mode normal et je pourrais varier la puissance moi-même, enfin la tension, parce qu'on gère la tension avec le potentiomètre. Donc on va se monter le Conspiracy dessus et on va goûter le petit biscuit de Vaporsed. C'est un juice maker suisse. Et c'est vraiment très bon, simple mais efficace. J'ai vraiment apprécié, on a vraiment l'impression de manger un petit biscuit, un biscuit nature avec un bien beurré, bien sucré, juste ce qu'il faut, ni trop peu ni pas assez. Ça pourrait largement faire un all day pour ceux qui aiment les gourmands, parce qu'il est pas du tout écœurant quoi, il y a juste ce qu'il faut en arôme, il est super bien dosé, super bien travaillé. Vraiment un liquide que j'ai apprécié. J'ai eu l'occasion de goûter aussi son autre liquide, le petit biscuit rhubarbe. Malgré que je sois pas fan de la rhubarbe, bah c'est un liquide que je pourrais vaper pas en holdé comme celui-ci, parce que celui-là je l'ai vraiment adoré, mais l'autre a vapé à l'occasion. Après ça, ça reste mon goût personnel, mais de temps en temps le petit biscuit rhubarbe aussi est très bon. Mais ça après, ça sera à votre goût personnel de juger. Ceux qui préfèrent un petit biscuit avec un petit goût fruité, bah, je vous conseille le petit biscuit rhubarbe. Et ceux qui sont des purs gourmands, le petit biscuit, l'impression de retourner en enfance et puis d'être à l'heure du goûter et de manger son petit biscuit quoi, avec un petit coup de chocolat, un petit chocolat chaud pour accompagner ça, c'est parfait. Donc là on va monter un peu, j'étais à 40%, on va se mettre à 50% et vous voyez j'ai un montage à 0,21 coil MPC. Et là, bon, on a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir quoi. Une belle box, un beau RDA, un bon liquide. Que demander de plus ?
vraiment un bon retour sur tout ça. Conspiracy, il a vraiment un bon rendu de saveur. Il ne va pas trop chaude, malgré le montage que j'ai et la puissance que j'envoie. La vape reste plus qu'agréable, pas trop aérien. Vraiment un bon dripper quoi. Et ça fait plutôt un joli setup du coup avec la Hatbox. Il est resté dessus, il a pas bougé quoi. Depuis que je l'ai reçu, ils se sont mariés tous les deux et ils ont pas bougé. Donc voilà. Et ce petit biscuit, je mettrai tous les liens de façon dans la description. Je sais pas s'il est distribué en France, il me semble pas. Je l'ai pas encore vu. Sur un site ou quoi que ce soit, je l'ai vu nulle part, mais vraiment une belle découverte ce petit liquide, quelque chose de simple mais de très bon quoi. On sent bien le beurre, un petit biscuit beurré, un bon biscuit beurre avec un petit goût de sucre. Bien équilibré. Donc juste ce qu'il faut, tout ça vraiment quelque chose pour se faire plaisir. Donc voilà mon retour sur ce Conspiracy RDA. Une bonne impression. Si vous hésitiez jusqu'à aujourd'hui, n'ayez pas peur. Ayez pas peur de devoir le monter vous-même quoi. Ça se fait en 2 minutes, vous avez vu. Ça se fait vraiment tout seul, il n'y a rien de sorcier. Toutes les pièces, ils ont qu'une place, donc on peut pas se tromper. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est son drip tip en ultime qui est vraiment pas tip top. Après, même les joints, vous voyez, ils tiennent. Voilà, la box, ça tombe pas. Et par contre, voilà, on n'a pas de mal à retirer le top cap. C'est vraiment des joints d'une bonne qualité. Pareil pour tourner le top cap. Ça va tout seul quoi. Des fois on a certains atos où c'est dur, on galère, mais là ça va tout seul. Même avec le drip tip, vous voyez, juste avec le drip tip, j'arrive à tourner mes airflows sans mal quoi. Mais par contre voilà, c'est pas le top cap qui va partir pour y aller, mais par contre il tient bien sur la box. Donc vraiment des joints d'une super qualité, une qualité d'usinage impeccable, vraiment un beau RDA. Donc le RDA, vous le retrouverez au Dripper Club, je vous mettrai le lien dans la description. La Ratbox sur Facebook, il a une page Facebook, pareil je vous mettrai le lien dans la description. Ratbox by Air Home. Et le petit biscuit, il a aussi le petit biscuit rhubarbe by Vaporcell. Donc voilà le retour que je pouvais vous faire sur ces différents produits. J'espère que ça vous aura plu pour cette première vidéo de 2018. Et je vous dis à bientôt et une bonne vape.